mirándose. La tierra se hundía bajo mis pies. Fui cayéndome al vacío sin poderme agarrar a la vida. ¿Cómo pude imaginarme que tenía algo que dar? C'est une sorte de crevette. Très heureux, madame. Ah, très heureux. C'est une sorte de crevette. Puisqu'en Israël, vous savez qu'on ne mange pas les vraies crevettes. Donc c'est un poisson blanc reconstitué. Et qui a été... Là, il est découpé, mais on le verra aussi par ailleurs avec la forme de crevette. Donc c'est ce qu'on mange à la place. Et là, ils sont présentés en beignet. Ce soir, vous êtes invité dans une soirée secrète. C'est le concept que j'ai créé ici en venant en Israël il y a 2 ans. Et j'ai créé ce concept après le corona. Et donc, ce concept, c'est le dîner secret. À chaque fois, c'est un lieu insolite, secret, un artiste surprise et un menu surprise. Et jusque-là, pendant 2 ans, c'était tout le temps moi qui cuisinais. Et ce soir, c'est la première fois que vous allez inaugurer mon nouveau concept, la nouvelle idée de ce concept. Et maintenant, il y aura à chaque fois des chefs secrets, en plus des lieux et des artistes. C'est l'idée pour permettre à des gens talentueux, comme Claude ce soir. Je voudrais simplement dire d'abord que c'est beaucoup de t'applaudir parce qu'on est tellement heureuse de recevoir des amis, en particulier de France. Donc on dit que nous les Juifs se répètent souvent, alors je vais répéter ce que dit Charlotte, je vous souhaite la bienvenue pour le Kuma Baye, pour l'histoire en hébreu. Et je voudrais vous dire quelques mots sur le menu qu'on a préparé ce soir. Vous savez, quand on avait réfléchi avec Charlotte en se disant mais qu'est-ce qu'on va préparer comme menu, on voudrait vous faire connaître les plats emblématiques, typiques de la gastronomie ou des traditions culinaires israéliennes. Alors quand on se pose cette question, on a une réponse évidemment paradoxale. La première réponse est de dire, mais quels sont les plats emblématiques typiquement israéliens? Ben, il n'y en a pas. On n'a pas ce plat codifié au sens où vous le connaissez en France comme... Escoffier ou Kronski, non, on n'a pas. Mais il y a quand même un deuxième volet, c'est pour ça que la réponse est paradoxale, c'est qu'en même temps, vous savez, Israël est composé de Juifs venant du monde entier, donc Israël est un pays jeune qui a 74 ans, il faut savoir que sa population, elle, a au moins 2000 ans d'exil. Donc les Juifs d'exil qui sont venus en Israël sont venus avec leurs connaissances, leur savoir-faire, leur tradition culinaire, entre autres,
Et nous avons maintenant à l'opposé, bien que, quand je dis qu'on n'a pas de gastronomie juive, on a par contre des concepts très innovants, un peu partout, et Charlotte est un exemple de ces concepts innovants. Et cette mosaïque de culture nous a amené à avoir des plats très différents. Vous savez, en Israël, il y a deux grandes catégories de juifs venant des différents pays, ce qu'on appelle les séfarades et ce qu'on appelle les ashkénazes. Les séfarades veut dire en hébreu le mot séfarade d'Espagne, c'est-à-dire que ce sont les juifs qui sont originaires d'Espagne et qui ensuite étaient dans le bassin méditerranéen et le moyen au Proche-Orient. Et d'autre côté, ce sont les ashkénazes. Ashkénazes veut dire la Rhénanie, donc les gens qui étaient en Allemagne et qui viennent de l'Est. Alors à partir de là, chacun est venu avec ses traditions. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va choisir pour ce soir? Le thème, je dirais, s'est imposé naturellement à nous. D'abord parce que vous avez une exposition aussi d'un Israélien qui habite en Espagne et qui fait des tableaux en Espagne avec une inspiration espagnole. Alors on dit, on va vous faire un menu espagnol, un menu séfarade. Alors on va vous servir en entrée un gazpacho andalou. Sûrement que vous connaissez tout cela, mais sachez que toutes les recettes culinaires que les Juifs ont ramené de l'extérieur, ils les ont copiés, ils les ont imités, ils les ont transposés, avec toujours, en intégrant toujours les exigences de la cacheroute juive, c'est-à-dire que tous les aliments ne sont pas autorisés chez nous, et donc ils ont adapté les recettes d'origine de leur pays, comme beaucoup de recettes françaises, avec ces exigences de la cacheroute juive. Alors on va vous proposer en entrée un gazpacho andalou, qui est en fait une soupe rafraîchissante, c'est bien pour cette période-là, qui est composée à base de tomates fraîches, bien sûr, de concombres et de poivrons. Et cette soupe sera accompagnée, comme on le fait traditionnellement, d'un pain comme tomate, c'est-à-dire un pain légèrement frotté à l'ail, parfumé à l'huile d'olive et au concassé de tomates. Ensuite, on vous amènera le plat emblématique, qui est la paella, la véritable paella au poisson. J'ai essayé de la faire conformément à ce que j'ai pu apprendre à la célèbre école Escuela de Paella de Valencia, en allant là-bas avec des maîtres, en leur disant « je veux bien faire une paella, mais je veux le faire avec une énorme cachet ». Comme on ne peut pas mettre de fruits de mer, les professeurs et les maîtres là-bas, on a décidé de remplacer par autre chose. Donc on n'aura pas de moules, de crustacés, autre chose, mais on aura des filets de rouget, du cabillaud, des crevettes, formes de crevettes, pseudo-crevettes que vous avez pu goûter, vous allez en baigner, vous les retrouverez autrement dans la paella. Et bien sûr le bouillon, c'est l'élément essentiel de la paella et de la cuisson du riz, qui est fait à base de poisson de roche et de tête de mérou, ce qui est très important. Alors voilà, j'espère que vous aurez autant de plaisir à déguster ce menu que nous avons eu de plaisir à le préparer. Béthé à vous. Sin poderme agarrar.